Dans le numéro de The Voice ce samedi 6 mai, Vianney a fait des révélations à Benaël, un des talents de son équipe. En effet, il n'a pas hésité à confier qu'il l'avait largement cherché et écouté sur les réseaux sociaux. Les places dans la saison 12 de The Voice 2023 sont de plus en plus rares. En effet, après plusieurs semaines d'audition à l'aveugle pour composer les équipes de Vianney, Big Flo et Oli, Amel Bentezazi, certains candidats ont été éliminés. Les autres s'affrontent, à partir de ce samedi 6 mai 2023, lors des Cross Battles. Lors de l'ultime affrontement de cette première soirée, Benaël de l'équipe de Vianney s'est retrouvé face à Nicoline de l'équipe de Big Flo et Oli. Cette dernière a ouvert le bal en reprenant Ricky Bold Miley Cyrus. Puis, le jeune homme a chanté Freed From Desire de Gala. Vianney, The Voice 2023, ne cache pas qu'il stalke ses talents sur Internet après deux incroyables performances. Les coachs ont chacun donné leur avis sur ce qu'ils venaient de voir et d'entendre. Tous s'accordent pour dire que le choix était difficile à prendre. Mais Vianney ne peut s'empêcher de soutenir son talent, qu'il a espionné sur la toile. En effet, avant d'entendre le verdict du public, il confie : « Je crois à la puissance, à la force, et la beauté de la sobriété. Bon, toi t'as débarqué ici. Tu nous dis 16 ans, j'ai une guitare. Et de balancer, je trouve des vidéos de toi sur YouTube, parce que je te stalke comme n'importe quel malade. Oh mon Dieu, a répondu le Benjamin du concours, visiblement embarrassé. Le coach est admiratif de la carrière de Benaël à seulement 16 ans, je te dis juste un grand bravo, une révélation qui a attiré l'attention de Nikos Aliagas qui n'a pas manqué d'en faire la phrase de la soirée, comme il le fait savoir. Je fais mon travail de coach, se défend le chanteur. Il poursuit et s'explique, je trouve des vidéos d'il y a si longtemps. Il fait à 16 ans, ce que je rêvais de faire à 16 ans. J'aurais aimé être là sur une scène et faire chanter les gens comme tu l'as fait. Ça m'a pris 15 ans de plus. Donc je te dis juste un grand bravo. Finalement, le public a eu le dernier mot et 58,6% d'entre eux ont choisi d'envoyer Benaël aux Super Cross Battles qui auront lieu avec la présence de Mika. À lire aussi The Voice 2023, Mika va faire son grand retour dans l'émission en tant que super coach des Super Cross Battles.